Salut à tous les gamers, c'est Wartek et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo plus annonce qu'autre chose. Avant tout ça, j'aimerais un peu vous parler, évidemment, vous savez très bien tout ce qui se passe en ce moment à Paris, de tous ces événements plus que malheureux et qui font vraiment froid dans le dos. Voilà, je devais poster donc cette vidéo normalement mercredi, je ne l'ai pas fait vu les événements, je ne l'ai pas fait jeudi non plus vu que c'était un jour de deuil pour la France nationale, donc j'ai préféré ne rien poster. Voilà, je poste cette vidéo aujourd'hui, tout simplement... apporter mon soutien à toutes les familles et voilà ce qui se passe encore aujourd'hui même, on est vendredi, il se passe encore énormément de choses et voilà c'est vraiment vraiment grave je trouve ce qui arrive. Donc voilà, je vous fais cette vidéo aujourd'hui, mais tout ça, tout ce qui se passe ne me fait vraiment pas oublier voilà, la gravité des événements en France et surtout à Paris, donc voilà, juste un mot sur ça et je vais tenter de vous changer un peu les idées. En vous annonçant quelques trucs, pas forcément des bonnes nouvelles, mais en vous annonçant quand même des choses et en vous parlant un peu d'autres choses dans cette vidéo. Alors on va commencer par le début, certains d'entre vous ont peut-être vu ou peut-être qu'ils l'apprennent maintenant, mais là évidemment je ne suis plus à Paris, ni à la FaZe House, tout simplement pourquoi ? Parce que nous sommes partis de la FaZe House, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, rien en fait de grave qu'il y a à voir ni avec le projet, ni avec tout ce qu'on avait mis en place, ni avec les streams, c'est tout simplement que la maison où on était, vous avez pu voir un petit peu dans certaines vidéos, dans le court-métrage qu'on avait fait notamment ensemble un peu, vous avez vu cette maison, les propriétaires nous ont appelé à pratiquement un mois, trois semaines pour nous annoncer, voilà, nous revenons, donc s'il vous plaît, partez. Donc ça a été un petit peu radical, un petit peu rapide pour nous. On n'a pas été prévenu vraiment beaucoup à l'avance, du coup voilà, pour moi j'ai fait le déménagement entre le 30 et le 31 décembre, donc il y a à peu près une douzaine de jours maintenant. Donc voilà, ça a été vraiment très rapide, et surtout déménager un 31 décembre, le jour de Nouvel An, c'était pas forcément le top, je dois vous le dire. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que tout ça ne s'arrête pas, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'a plus cette maison que les streams s'arrêtent, bien au contraire, les streams vont continuer. Moi je suis justement en train de travailler, là je suis actuellement à Lyon avec Marie, mais je suis en train de mettre en place tout mon matos pour pouvoir continuer les streams. Je vais vous faire des vidéos un petit peu récurrentes, dès que je peux en faire, je vous en fais, ça sent aussi, je fais des vlogs également aussi. En ce moment il n'y a pas grand chose à vlogger, il n'y a pas grand chose à sourire non plus, malheureusement, mais voilà, donc... Pour tout ce qui est des streams, ça va pas s'arrêter, vous inquiétez pas. La maison, en fait, voilà, nous n'y sommes plus. Zidar, Isp et Rambo sont rentrés chacun chez eux. Isp stream toujours sur le site Face Clan tous les jours. Lui, il a déjà pu tout mettre en place. Il avait une très bonne connexion déjà chez lui avant de venir à la Gaming House. Donc, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Il stream encore. Mais tout ça ne s'arrête pas. Nous sommes en train de chercher une solution, voilà, un autre local peut-être dans les alentours de Paris ou autre, pour justement continuer ce projet de Gaming House. Mais voilà, il faut savoir que pour la maison qu'on a trouvée là, il nous a fallu 6 à 8 mois pour la trouver, donc c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, surtout que vu un peu ce qui se passe en ce moment, c'est un peu compliqué de faire des recherches, un peu compliqué de regarder tout ça, donc voilà, on fait ce qu'il en est, de toute façon les streams ne s'arrêtent pas, je pense que pour vous, l'endroit où on est ne change pas radicalement le fait de regarder les streams. Effectivement, on n'est plus tous dans la même salle, on est chacun chez soi, mais voilà, on s'appellera, on aura nos webcams, etc. Donc il n'y aura aucun souci, vous aurez la même interaction qu'avant. Je vous annoncerai dès que les streams reprendront de façon récurrente, c'est-à-dire qu'il y en aura soit tous les jours, soit au moins le mercredi et les week-ends et le vendredi. Donc vous aurez de quoi faire et en même temps, en parallèle, je continuerai mes vidéos. En parlant de vidéos, justement, pourquoi ces derniers temps il y a eu un peu moins de trucs, il n'y a pas eu les top 10 notamment, parce que justement, comme vous avez pu voir, enfin, comme vous ne le saviez pas, maintenant vous savez, j'étais du coup en déménagement. J'ai dû donc, voilà, remettre la maison en état et ranger toutes nos affaires, tout reprendre, prévoir le déménagement, etc. En, on va dire, une semaine grand maximum, c'est vraiment canalisé sur 3 jours où ça a été hyper sport, où il fallait tout faire, donc voilà, c'était un peu compliqué de gérer les vidéos en même temps. Ouais, il y en a certains d'entre vous qui ont vu dans les vlogmas de Marie notamment qu'on était justement en déménagement, que vous ne saviez pas trop ce qui se passait, donc là je vous annonce officiellement ce qui se passe, je préfère vous en parler et justement attendre un peu d'être sûr de la situation, etc., de tout ce qui se passe pour vous en toucher un mot. En parlant de vidéos en ce moment, je vous l'avoue très clairement, Call of Duty n'est pas ma priorité, tout simplement vu ce qui se passe, je pense pas que mettre des vidéos de Call of Duty soit totalement approprié et j'en ai malheureusement un peu moins envie aussi, ça fait une dizaine d'années comme je vous ai dit que je jouais à Call of. Pour le moment je vais tenter de vous divertir avec autre chose, vous avez vu certaines vidéos sur League of Legends qui vous a pas trop mal plu,
Mais voilà, je suis clairement pas un génie, donc c'est pas moi qui vais vous apprendre à jouer. Je vais tenter de vous faire des vidéos un peu variées, je vais tenter de vous faire des choses un peu plus rigolos, un peu plus ouvert d'esprit, un peu différent que ce que je fais d'habitude. Mais voilà, je reviendrai un peu plus tard. Pour le moment, je pense en faire, on va dire, une petite pause. Donc ceux qui sont là uniquement pour ça, je suis désolé si ça vous déçoit. Mais vous inquiétez pas, vous aurez de toute façon d'autres vidéos pour vous occuper, des trucs un peu fun, peut-être des FAQ, peut-être des concours, peut-être à venir bientôt, des exclusivités de jeux, voilà. Donc plein de choses à vous montrer très prochainement. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit, je pense qu'on a fait le tour, on commence ces débuts d'année pas forcément avec des grandes nouvelles pour 2015. Je vous souhaite bonne année à ceux que je ne l'avais pas encore fait, je l'avais fait sur les réseaux, etc. Voilà, si vous voulez un peu savoir mon actualité, n'hésitez pas donc à me suivre sur les réseaux, Facebook, Twitter, Insta aussi, si ça vous intéresse, je poste quelques photos. Donc voilà, n'hésitez pas à tout ça, n'hésitez pas à me poser des questions, et voilà, restez fort malgré la situation, je pense que ça va se régler, du moins je le souhaite fortement. Et encore une pensée aux familles de toutes les personnes défuntes de ces derniers jours. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Wartech, allez ciao tout le monde.